D'habitude, je ne prends pas de café dès que je viens de me réveiller, mais j'ai différentes excuses à ça. De une, je me suis réveillée tard, donc je vais pas petit déjeuner et j'ai besoin de mettre un truc dans mon gosier, très clairement. Deuxièmement, c'est une semaine spéciale car je suis dans ma période de menstruation. Comme d'habitude, finalement, quand je vous prends weekly vlog. On est dans mon nouveau salon. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, mon living room makeover. Et oui, et la troisième excuse, c'est que donc ce matin, je dois appeler ma maman. Je me suis dit, je vais pas me poser comme ça. Il me faut un café. Cette semaine, je vous embarque avec moi. Petit weekly vlog. En plus, cette semaine, je suis en off niveau sport, donc je vais avoir plus de temps pour moi. Je vais couper mes séances en deux. Au lieu de faire 4 trainings, je vais en faire 2. En soi, non, ça change pas grand chose au final, mais... Et en plus, là, je pense qu'on peut s'aider. Ça y est, l'heure d'hiver est passée. Oui, il fait nuit à 17h. Et cette semaine est particulière aussi parce que je suis vraiment solo. Bah vous savez que ma soeur est partie au Mexique, j'habite avec ma soeur à la base. Sauf que là cette semaine, mon coloc rentre chez ses parents le soir, tout seul, ce qui m'arrive très très rarement. On va voir comment on vit ça, mais vous êtes avec moi donc tout va bien. J'espère que ce vlog vous allez kiffer. Et moi j'appelle ma daronne. C'est mon café. J'ai pas fut fut quand même. Maman. Allô. Oui. Allô. Oui. Bisous. Vu que j'ai pas de séance de sport aujourd'hui et que j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas d'obligation, je vais passer toute la matinée à monter ma vidéo en espérant vraiment bien avancer dessus. Je suis en train de monter le living room makeover. J'ai filmé plein de trucs un peu partout. L'organisation du montage est assez compliquée. Le but, ce serait vraiment aujourd'hui de terminer le montage de cette vidéo. Oh, je suis mort, on a le même suite. On est en train de faire la même chose. Faut que je vous montre. Loan, si tu passes par là, j'aime trop tes vidéos. Eh bah voilà, je suis contente de mon plan, il est très bien. C'est un escabeau de Masterclass. Ok, it's time to eat. Je ne sais absolument pas ce que je vais manger pour la simple et bonne raison que je n'ai plus rien dans mon frigo parce que j'attends une commande et l'eau. Fraîche, je suis trop contente, je vais enfin tester cette marque dont j'entends parler depuis très 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 longtemps. Qu'est-ce qu'on va manger, je ne sais pas. J'ai pu tester toute la semaine des plats HelloFresh et donc je viens vous faire mon retour, même si c'est en début de vidéo, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Il me reste qu'un seul plat HelloFresh à manger ce soir, enfin c'est le reste d'hier soir. Je suis un petit peu sad parce que je vous avoue que ça a été un gros coup de cœur pour moi et je pense continuer à commander sur cette plateforme. Ça me permet de moi m'obliger à cuisiner, chose que je n'arrive pas à faire. Vous allez sur le site, vous choisissez combien d'assiettes et pour combien de repas dans la semaine. Vous sélectionnez aussi les menus que vous préférez selon vos régimes alimentaires, mais aussi selon plein de catégories différentes qui existent sur HelloFresh. Donc vous avez cuisine rapide, cuisine du monde, cuisine pour le moins de vaisselle possible. Vous avez aussi des menus de batch cooking, donc tout ce qui est meal prep, hyper pratique. J'aimerais trop trop tester, je vous avoue ça pourrait me changer la life. Ensuite, une fois que c'est fait, vous recevez tout chez vous pour les prochains repas à venir dans une grosse box comme ça. Chaque repas est divisé en sachets avec juste les ingrédients qu'il faut pour la recette. Comme ça, vous avez beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Franchement, c'est hyper pratique. Moi, ce que je peux noter personnellement, ce que j'ai kiffé au-delà du fait que les produits soient frais, de saison, que ce soit des recettes originales, c'est que j'ai découvert des façons de cuisiner que je connaissais pas. C'est des recettes qui sont hyper simples, franchement, hyper bien expliquées, c'est clair. Vous avez les images, vous avez des recettes qui sont plus ou moins longues. Tout dépend de ce que vous sélectionnez sur le site. Mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment le fait de me dire que je cuisinais pour de vrai avec des vrais ingrédients. C'est-à-dire que je coupais l'ail, je mettais l'ail dans la casserole. Ça paraît bête, mais c'est des trucs que moi, je prends jamais le temps de faire et que je fais pas. Et ça sent, genre la différence se sent au niveau des saveurs. L'ail en poudre que j'achète dans des petits trucs en plastoc et l'ail, le vrai ail que je coupe au couteau, que je prends plaisir à couper, c'est totalement différent. Tu savoures beaucoup, beaucoup plus ton plat de cette manière-là, je trouve. Et les moments cuisine, c'est vraiment les moment où je me posais, je mettais un podcast, je prenais le temps en fait de me faire kiffer moi et aussi du coup de faire kiffer mon copain parce qu'on a mangé à deux. Aussi gros gros point, le côté économique d'un point de vue temps, c'est à dire que j'ai pas eu à faire mes courses, les courses sont livrées chez moi, j'ai pas à me prendre la tête à faire des listes de courses machin, galérer, faire la queue, payer, truc, me déplacer, non, tout est là. C'était un gain de temps de fou et un gain financier parce que au final tout est tellement bien calculé et organisé en fonction des recettes que ça te revient beaucoup moins cher de fonctionner comme ça que de te faire des courses au jour le jour.
Si jamais ça vous intéresse, avec mon lien, le repas est à 2,50€. N'hésitez pas à en profiter. C'est un abonnement modifiable dans le sens où vous engagez à rien. Si le mois prochain, si la semaine prochaine, vous avez envie de mettre pause et puis de reprendre un peu plus tard. Si cette semaine, vous sentez que vous n'allez pas avoir le temps de faire des courses, que vous avez de la famille qui vient chez vous ou quoi que ce soit, hop, tilt, j'active HelloFresh, je commande ma box. Puis je sais qu'au moins les courses et la food et tout ce qui est recette, j'ai pas à réfléchir et c'est une charge mentale en moins. Donc n'hésitez pas à checker le lien que je vous mets en barre d'infos. Et surtout, moi je rajoute un point, c'est que ça m'a fait trop plaisir et ça m'a grave réconforté dans ce mood où vous allez voir dans le vlog, mais il a plu, il y a eu de la tempête, il fait nuit tôt. Franchement, t'as pas envie de te déplacer, d'aller faire tes courses alors qu'il fait nuit noire, qu'il y a du vent qui te décoiffe à 100 à l'heure. Non, genre tu sais que tout est chez toi, tu te fais des trucs bien savoureux, bien chauds. J'espère que ce vlog va vous plaire. Il est très long, mais il est vraiment anti-déprime. Je vous jure qu'il y a une vibes dans ce vlog. Vous allez avoir le smile. Je vous laisse avec la vidéo. Bisous les gars. On est vraiment dans le thème de la vidéo à 100% parce que on est dans un automne les gars. En plus qu'il fasse nuit tôt, il fait gris toute la journée. Ça y est, je suis toute seule en plus. Je mets de la crème solaire, vraiment ça n'a aucun sens du coup, mais je vais me préparer comme ça, ça va m'aider à assumer un peu plus l'après-midi. À un moment donné, il faut que je sorte quoi. Et là j'ai des trucs à faire justement, j'ai des colis vintage à envoyer. Demain c'est Halloween. Et comment vous dire que j'ai toujours pas de déguisement? Je suis censée faire un déguisement en duo avec Zafira. Donc là ça fait 3 jours on se dit non fais ça, non fais ça, non fais ça, non fais ça. Au final on a toujours pas de déguisement. L'année dernière je vous avais pris en vlog dans la même période, mais sans faire exprès, du coup je vous avais vlogué notre soirée d'Halloween. Et cette année, encore une fois sans faire exprès. Quand je dis sans faire exprès, ça veut dire qu'en fait j'avais prévu de filmer un vlog cette semaine, mais j'avais pas fait gaffe que ça allait tomber sur Halloween. Qu'on le fait comme l'année dernière chez Ronan. Il va y avoir beaucoup de monde, j'ai vraiment hâte. Mais pour ça il faut que j'ai un déguisement. J'ai commencé Grey's Anatomy en septembre je crois. Donc je savais que ça allait être une série qui allait me prendre longtemps, dans le sens où il y a beaucoup de saisons, les saisons sont longues, c'est le genre de série qui s'arrête jamais. Mais par contre je pensais vraiment qu'il y avait que 12 saisons et j'ai vu l'autre jour qu'il y en avait 19. Je suis choquée, ça veut dire que là en fait dans 10 ans j'y suis encore. Non en vrai j'abuse parce que là je suis à la saison 4 dans le thème automnal niveau série. Non je vous conseille juste de regarder Harry Potter en vrai. Regardez Harry Potter et lisez des livres. Est-ce que je suis la seule ou pendant mes règles, je sais j'arrête pas de parler de ça, mais là, je suis sûre on est toutes contentes d'en parler quand on peut en parler. Est-ce que je suis la seule à me sentir genre ultra flotteuse? J'ai l'impression que mon corps est une boule, je gonfle et c'est insupportable. Genre là, j'ai envie de me mettre à poil tellement le moindre vêtement me serre, ou j'ai l'impression qu'il me serre et c'est vraiment ultra dérangeant. J'ai mis en vente pas mal de vêtements l'autre jour et tout a été vendu en une journée. J'ai préparé la plupart, il m'en manque juste deux à faire. Après, il faut que je passe aussi, où est-ce que je devais passer? Bah au Carrefour pour m'acheter de quoi manger ce soir. C'est pas comme si j'avais pris ma douche. Il y a littéralement 2 heures. Donc on est à Bali ou... Non, maman est trempée. Maman doit se changer. Maman est une serpillière. Je suis sûre que si je fais ça, il y a de l'eau qui tombe. C'est intelligent de faire ça sur le sol, Julia. On a tellement eu pitié de moi dans la rue qu'on m'a proposé un parapluie. Je suis vraiment allée sous le parapluie avec quelqu'un. J'ai foi en l'humanité parfois quand on me propose ce genre de trucs. J'ai pu déposer mes colis Vinted, enfin la moitié. J'ai pu aller à la pharmacie. Je suis une flaque d'eau. Une flaque d'eau ambulante. Oui. Les gars, je suis dégoûtée. J'ai un des colis Vinted qui s'est arraché avec la pluie. Donc là, je dois réemballer le colis Vinted. J'en ai marre. On dirait que ma tête est en train de prendre feu. Pour tous ceux qui kiffent lire, vous allez kiffer aussi. Parce que je vais vous montrer mon énorme craquage. Comment vous dire? Je vais vous montrer mon book haul. Sachant que j'ai 2 autres livres là qui vont arriver. Et en fait ce book haul c'est clairement ma palle. Vu que je suis pas le genre de personne à avoir une tonne de livres à lire. J'aime bien être sur une lecture et savoir que j'en ai une autre dans ma bibliothèque. Mais je suis pas du genre à avoir ce genre de pile à lire. Je lis pas vite. Un livre peut me faire facilement un mois, allez 2 semaines. Mais quand même j'ai craqué. En fait ça me frustre trop de pas les avoir avec moi. Même si je les lis pas dans l'instant T et j'avais trop envie de me faire kiffer à acheter les livres vraiment que je veux lire depuis longtemps. Je me suis fait, pour vous parler livres, un petit collagène. Donc en gros j'ai mélangé du collagène de chez My Protein dans du lait, My Missing Piece. J'ai mis un mois à le lire à peu près, mais il m'a retourné la tête. J'ai adoré cette lecture. Quand je me suis posée et que j'ai vraiment plongé dans la lecture, ce livre il m'a... Waouh. Lisez-le. Les plot twists ils sont incroyables. Les protagonistes hyper touchants. Moi ni une ni deux, je termine le tome 1. En plus la fin, pour ceux qui l'ont lu, on est en mode on veut la suite.
Donc je suis allée acheter le tome 2. La semaine qui précède les règles est pire que la semaine où t'as des règles. Et j'étais un peu dans un bad mood et tout. Et je pense que tout mon mal-être psychologique sur le moment, ma tristesse enfouie. Alors quand j'étais, je sais pas, genre je vais bien dans ma vie, tu vois. Mais il y a des jours où t'es là, t'es en mode ça va pas. Et tu sais pas pourquoi ça va pas, enfin bref, ça c'est un autre sujet. J'ai tendance effectivement à dépenser de l'argent dans des choses qui me font du bien. Et les livres en ce moment c'est vraiment le truc franchement qui sauve mon mental, c'est un truc de dingue. Je suis passée à la FNAC ce jour-là, j'ai également pris Twisted Love. Pour la petite histoire, tout le monde en parle en ce moment sur les réseaux sociaux si vous êtes branché un petit peu lecture. Moi ça fait des années que cette saga, je la vois, je me sens qu'il y a peut-être 4 ans, j'avais fait des tableaux Pinterest où il y a une fille qui tenait la saga. Ça une époque où je lisais pas et tout, mais j'avais trouvé les couvertures trop belles et je m'étais toujours dit oh faudrait que je lise ces livres un jour. Et là j'ai appris que le tome 1 avait été traduit en français, donc je me suis dit ah. Quand j'ai vu qu'elle était sortie, je me suis dit quand même, juste pour la petite anecdote de moi, Julia 17 ans qui met un tableau Pinterest de la série et qui au final ne s'est même pas intéressée au truc, mais je l'ai acheté et j'ai trop hâte de lire. Par contre à ce qui paraît la couverture ne tient pas le choc, donc je pense que je vais le couvrir. Le même jour à la FNAC, j'ai acheté L'As de cœur de Morgane Moncomble. Je n'ai jamais lu de livre écrit par Morgane Moncomble alors que c'est une autrice à ne pas louper d'après ce que j'entends sur le BookTok. Après je suis vraiment matrixée BookTok, on va pas se mentir, je suis un mouton du BookTok, mais c'est trop bien parce que c'est vraiment un vrai groupe de parole où tout le monde partage ses coups de cœur, ses trucs, et si tout le monde a aimé un livre autant le lire aussi, enfin je veux dire il n'y a pas de mal à ça. Et donc j'ai pris L'As de cœur parce que c'est vraiment le préféré d'après ce que j'entends des Morgane Moncomble. Tempted Heart, je l'avais acheté au mois d'août je crois, et à chaque fois que je dois lire un autre livre il passe un peu à la trappe. Je suis pas sûre que ce soit de la dark romance, mais il me semble. J'ai chopé The Kiss Cushion. Alors à la base il était vraiment pas dans ma wishlist, mais en fait je me baladais sur Vinted, il était genre à 3 balles je crois. Du coup je me suis dit let's go, il est vraiment tout neuf, je pense pas que la personne l'a lu. La quatrième de couverture m'a accrochée. Après ça a l'air vraiment romance tranquillou, sans plus, sans voilà. Mais pourquoi pas. Là j'ai deux autres livres qui vont arriver dans ma palle que j'ai commandé hier sur Vinted parce que j'ai vidé un petit peu mon dressing Vinted. Sans déconner, Julia t'en parle depuis absolument le début du blog et on en a marre. Mais j'ai comme ça j'ai rempli mon porte-monnaie Vinted exprès. En fait ça m'a motivée. Genre les livres m'ont motivée à vider mes fringues. Comme ça mon porte-monnaie Vinted se remplit sans que j'ai à rajouter de l'argent dessus. Je peux prendre des livres de seconde main parce que c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Et du coup j'ai pris Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Alors j'ai tellement hâte de lire parce que j'ai vu une revue à pas longtemps et j'ai lu le résumé pour la première fois de ma vie aussi. Et je me suis dit ok, je veux ce livre. Et j'ai aussi pris The Love Hypothesis que je veux grave lire aussi depuis longtemps, mais ça passe à la trappe vu qu'il est pas en poche. Je préfère lire des poches, je vous avoue. Parce que par exemple là, le fait que j'ai mis du temps à lire My Missing Piece, c'est notamment dû au fait que je peux pas l'embarquer avec moi. Parce qu'en fait quand j'ai un poche, moi je lis dans le métro, dans les salles d'attente, n'importe où en fait. Quand j'ai des brochets, bah je les prends jamais avec moi. Faut absolument que j'aille sur Amazon. En fait j'ai passé une commande de post-it et ça fait 2 jours je m'empêche de lire. J'ai vraiment envie de commencer un nouveau bouquin, je pense que je vais commencer par lui, que je m'empêche de lire parce que je n'ai plus de post-it. Et autant vous dire que je n'arrive plus à lire sans post-it. Pour moi c'est trop important d'annoter des livres. Je vais bosser un petit peu, j'ai vu que ma thème m'avait envoyé des messages, donc je vais y répondre. Je vais prendre le temps d'organiser un petit peu mon planning de publication YouTube de ces semaines à venir avec les prochaines collabs. Je vais surtout terminer mon montage. Je pense dans 30 minutes il fait nuit noire. Je râlais ce matin en mode ouais il va faire nuit noire et tout, mais je pense que le fait qu'il fasse nuit ça va me poser et je vais vraiment plus me concentrer sur ce que je fais, parce que quand il fait jour j'ai trop envie de faire des trucs par-ci par-là, nanana. Il est 20h, je viens de terminer officiellement mon montage. Je suis trop contente. Pour être niveau confort optimal, je vais ramener toute ma skincare. Je vais me faire un petit plateau repas. Je vais ouvrir mon canapé en lit. Comme ça, je vais pouvoir m'étaler de tout mon long. Là, ça me semble être une super bonne idée. Mais dans 2 heures, quand je serai trop bien et qu'il va falloir aller dans le lit, c'est qui va râler, c'est Bibi. Excusez-moi, monsieur. Ça va, je t'ai fait une cabane. Oh, le kilo. Je suis contente, j'ai trop bien dormi et vraiment vous pouvez pas savoir à quel point ça m'arrive rarement de bien dormir, donc vraiment j'ai l'impression que tout d'un coup je suis saine d'esprit. Du coup je suis allée acheter ça à la pharmacie hier, Euphytose nuit. Bon je sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai vraiment trop bien dormi. D'habitude le matin je suis une personne qui est dans le rush, donc je vais à la salle ou alors je me dépêche, je m'habille machin et je commence à bosser. Mais là ce matin j'ai un truc trop cool, c'est que j'ai mon rendez-vous chez le kiné à 11h30. Je me fais masser vraiment mes tensions
musculaire au niveau des trapèzes et tout, c'est incroyable. En temps normal, j'aime bien y aller après la salle, donc je serais allée à la salle et après je serais allée chez le kiné. Mais comme je vous ai dit, cette semaine, enfin, je vais pas aller beaucoup à la salle pour récupérer tout simplement parce que j'ai eu des gros coups de fatigue. Plus le manque de sommeil, j'étais un petit peu en mode craquage et du coup, maintenant je m'écoute. J'ai trouvé mon idée de déguisement. Donc juste après le kiné, je vais aller dans le centre-ville de Lyon pour acheter ce qui manque. Vu qu'en fait, hier, je vous ai pas filmé, mais je me suis couchée vers 1h30 du matin, je crois. J'ai pas du tout lu parce que je me suis embarquée après avoir regardé Grey's Anatomy dans ma miniature. Donc comme ça, moi, j'ai pas à la faire ce matin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire kiffer, me mettre dans mon canapé. Il est encore étendu en lit. Et je vais me faire des pancakes, les gars. Des pancakes. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour mon déguisement de ce soir. Il faut que j'aille envoyer les colis Vinted. J'ai juste 2-3 trucs à terminer sur mon ordi. J'aimerais bien commencer à me préparer vers 17h. Comme ça, je prends le temps de me préparer et tout. Parce que Bastien, je pense qu'il va débarquer à 18h. Faut que je le prépare. En fait, je sais pas. Je pense que j'ai vraiment, vraiment le temps à voir parce que je déteste. Mais genre, je déteste me préparer dans le rush. Ça me stresse de ouf. J'aime bien prendre mon temps pour me préparer pour aller en soirée. J'ai trop, trop hâte par contre. J'ai vraiment trop, trop hâte. Je suis allée déposer mes colis Vinted. On va y arriver, hein. Et ben, ils ont pas réussi à les scanner parce que ils ont pris l'eau hier. Celui qui avait été arraché, je l'ai changé. Mais celui qui a pris l'eau hier, même s'il a séché, bref. Faut que j'en fasse tous les bordereaux. Dans ma boîte aux lettres, il y avait. C'est mes marque-pages. Je les prends sur Amazon. Oh my god. Trop contente. J'ai bien fait de pas commencer ma lecture hier. Mais oh, ils sont trop beaux. Vraiment très automnal, quoi. Que j'ai acheté pour Halloween des bonbons. J'ai une bouteille de vin et si. Pour le déguisement, on fait Men in Black. Pour la petite histoire, je ne sais pas. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais vu cette saga. Je crois qu'il y a eu plusieurs films. Mais j'ai bien checké tous les détails de leurs costumes. J'ai le laser. J'ai ça. Je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube. J'ai des ballons. Ça y est, je commence à être surexcitée là. Pour faire les petits aliens. Bah, vous verrez tout à l'heure avec ma tenue, mais j'ai acheté une cravate. J'ai un nœud bas pour Zafira. Je me suis acheté un cycliste. Et je vais mettre une large chemise blanche sur moi. Let's go to the... J'allais dire to the gym. To the... To the night. To the... fête. To the party. Des baby-hairs de tous les côtés. Pas grave, Julia. J'ai réussi à me faire une coiffure à peu près pas mal. Ok, t'es prêt? Première touche de make-up. C'est le blush. C'est le blush. Je dirais juste que t'as un gros coup de soleil. Ça... mais non. Ouais, non mais attends, je t'ai pas dit. Non mais c'est pas quoi là. Mais ses yeux aussi toujours. Non. Qu'est-ce que je fais? Non, regarde. C'est quoi ça? C'était paillettes. Oh. Est-ce que tu trouves que je ressemble un petit peu à Shakira? Ah mais complètement. Je vais faire un single lady, ça va être génial. Ça c'est Beyoncé. Merde. Oh putain. Vous avez vu comment elle est trop belle? Tu mets ça un peu de profil. Ah le move. Trop belle. Je me sens bien en gentleman moi, tu vois. Tu sais qu'on a vraiment inversé nos rôles sans le vouloir, genre. Oh ouais. Oh oula. J'ai réussi à crusher mon... Mais je suis un génie. La carte elle fait tout. Les lunettes. J'ai d'être ça. J'ai d'être ça. Final look. Je connais tellement pas ce film, du coup j'ai pas de ref, mais I'm... Espion des aliens. Je suis un petit génie. J'arrête pas de me saucer depuis tout à l'heure. Bon allez, on y va. Je suis arrivée chez Ronan. On est en train de finir, j'ai préparé Zafira, c'est un calvaire. Ici, Albert Reporter. Ma maman, quand elle... Ici, c'est Juliette. Aka Central G. Mon outfit, j'ai pas le petit bonnet Kalenji, mais du coup, j'avais une petite doudoune sans manche, donc là, la petite veste, petit jogging Adidas. Eh ben, mon outfit. C'est qui déjà? Je suis Tristan Lagoutte. Est-ce que vous pouvez nous faire une démo de Dream, s'il vous plaît? Bon, bon. Ouais, ouais, c'est bon. Tout. Lâche la caméra, les moches, Bastien, il est magnifique. C'est Enzo et il est habillé. Il est habillé cette fois-ci. Putain, je fais un striptease. C'est ça.
Ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de call avec Sara. Ça me manque trop, là j'ai trop hâte. Il est 8h30, on est jeudi. Je vous ai pas pris hier parce que c'était une journée vraiment sans intérêt. Je vous fais pas de dessin, j'étais un peu en gueule de bois. Et aujourd'hui, ma box HelloFresh arrive. J'ai trop hâte, les choses sérieuses arrivent. Là j'ai le call avec Sara. Après, je vais à la salle. Et toute l'après-midi, je bosse à fond parce que je suis grave à la bourre sur mes montages. Début de semaine, donc. En fait, je me rends compte que je me suis laissée avoir par moi-même parce que j'ai perdu le contrôle. Ce lien de puissance et de comparaison, mais là qui t'était favorable. Dans sa vie, qu'est-ce que tu fais comme travail, dans quelle ville? C'était moi, le cobaye. Il est 13h, il est temps pour moi d'aller à la salle. Ça fait 4 jours de pause, j'ai l'impression que ça fait 1 mois et demi que j'y suis pas allée. J'ai un legging de chez MyProtein, c'est vraiment des gros basiques. Je suis en affiliation avec MyProtein, donc je vous mets tous mes produits favoris en barre d'infos. Et vous avez mon code JuliaECB qui vous offre moins 30% sur le site. Et en haut, j'ai mis un incontournable long sleeve, collection adapt, celui-ci je crois, de chez Gymshark. Les chaussettes, c'est des MyProt. Ce matin, j'ai pas arrêté, j'ai eu mon collègue Sarah, j'ai édité mon podcast. Après-midi, ça va être full montage client. Ou ce soir, on va être trop bien et on va se préparer. Vraiment plat anti-déprime automnale. Il n'y a rien de meilleur en automne que de se faire des petits plats chauds. Parce que là, depuis genre 2 mois, je vous jure que je mange mais n'importe quoi. Vous avez déjà dit dans ma vidéo Back on Track que je voulais mettre en place des courses, mieux organiser des meal prep et des plans alimentaires. J'ai jamais pris le temps de le faire. C'est pour ça que HelloFresh, là, ça va grave m'aider. Hey. Next to rock like Mick Foley, yeah. It's Nick Joby, kill him softly, play that shit slowly. That shit slowly. On the keys like Tony, throwing subs, they get toasted, about my bread like a hoagie. Yeah. This beat ice cold, look how I ride the Zamboni. Hey. I feel like Otani, good anywhere you throw me. Right. She eat a Chobani, cause her body getting bony. Yeah. Late night, heavy scrolling, vape light, heavy smoking. Damn. We got unhealthy habits, hey. We been already growing. Okay. It's like we drowning in them, yeah. It seems the levee's broken. Right. But it's not too late to change them. And refrain from being slaves to the vices that encage them. I'm writing on this page like I'm throwing hands with... Et coucou, je suis bien rentrée de la salle les amis, la séance était piquante, très piquante. Je suis en train de bosser depuis tout à l'heure, mais là je suis dans une productivité incroyable. Je pense que ça va durer toute la fin de journée, plus tout le début de soirée, je sais pas. Mais je vois à quel point quand je fais du sport, ça augmente ma productivité, c'est un truc de fou. En fait ça réveille toute mon énergie. Il n'empêche que j'ai besoin d'un snack, je commence à avoir faim avant le repas de ce soir. Du coup je me fais un cookie bake caramel beurre salé de chez MyProtein, mes préférés. J'ai l'impression de manger des cookies de ce Ouais, pour ceux qui connaissent. Non, c'est incroyable. On dirait pas qu'il y a de la protéine dedans, c'est ouf. Je mange un truc qui est hyper gourmand. Ça me fait plaisir à mon petit mental, mais en même temps, c'est protéiné. Et oui, je vais faire un test, je vais le mettre au micro. Ça a l'air incroyable. Genre, c'est fait un cookie chaud. Bon, j'ai commencé à le grailler, mais. Oh, le chocolat, il a fondu et tout. Ah, mais on dirait grave les cookies de chez Erta qu'on met au four. C'est tout fondu. Alors là. Non, elle est lavée. La deuxième année, il a rentré. Et des amis parce que. In the morning, you got dresses in your closet, but you grab them tight, you in love with being modest. Il est temps de cuisiner, il est 20h passées, j'ai très faim et il faut cuisiner. En vrai je suis contente, ça va me faire du bien de cuisiner parce que ça va me sortir un peu des écrans. Ça me fait trop du bien, je mets un podcast et let's go. Là je vous avoue qu'il est tard, que j'ai très faim et que j'ai la flemme, c'est pas grave. Je sais d'ores et déjà que je vais quand même kiffer mon moment. Donc j'ai reçu mes petits menus HelloFresh que j'ai sélectionnés sur le site. J'ai riz sauté aux crevettes à la chinoise, incroyable. Tarte gourmande aux poireaux et lardons. Je vous avoue que si vraiment... vraiment, j'ai la flemme. Ça pourrait être archi pratique. En fait, c'est des repas pour 2 personnes. Comme ça pourra me faire mon repas du lendemain midi. Et c'est ça de gagner. Mais aussi parce que à partir de demain, on sera 2 à manger. Parce que je vais inviter mon copain, je pense. Comme ça, on va pouvoir bien kiffer. Je pense que ça, je le ferai quand il sera là. Risotto au pesto et chèvre frais. Ou blanquette de poulet réconfortante. Ce soir, je pense qu'on va partir sur la tarte. Tout est là pour la tarte. Et
Hello mes stars, nous sommes le lendemain matin, il va être 10h, là j'ai un call client pour le montage, ensuite il faut que j'aille récupérer des colis, ensuite j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles, je suis la plus heureuse parce que là je ne peux plus, après j'enchaîne avec la salle, je reviens à la maison et je travaille toute la fin de journée. Ah bah tu m'étonnes, pourquoi en fait? Colissimo. J'ouvrirai ces colis là ce soir parce que j'ai pas le temps. Je vais graille maintenant parce que j'ai la dalle. Même s'il est pas midi, c'est pas grave. Le midi, j'ai jamais le temps de cuisiner. Là au moins j'ai mes restes d'hier. Enfin j'ai la moitié de la tarte d'hier qui était un pur délice. J'ai passé un trop bon moment. J'ai mis mon podcast dans mes écouteurs. Du coup j'avais la voix qui me fait partout. J'étais en train de préparer ma tarte. Un moment genre ça m'a posé l'esprit, c'était incroyable. Je l'ai fait un peu trop griller parce que j'ai galéré avec mon four. Mais j'ai dit un délice. Là en plus il me reste la moitié, mais je suis trop pratique. Normalement ce soir, si j'arrive à être efficace sur tout le reste de ma journée, j'espère pouvoir avoir le temps d'inviter mon mec ce soir pour cuisiner ensemble quoi. C'est vendredi soir. Je pense pas que je vais vous prendre cet après-midi. On se retrouve ce soir. Petite tarte que j'ai commencé à grignoter. C'est incroyablement bon. Bisous les gars. Et bonjour la famille, nous sommes le lendemain comme prévu, je ne vous ai pas pris hier. Non, je devais vous prendre hier soir, mais en fait ce qui s'est passé hier soir c'est que j'ai travaillé toute la soirée, j'ai arrêté de bosser à minuit. Donc au final mon copain n'est même pas venu. Pour rectifier le coup, j'ai demandé de passer ce midi et comme ça on allait cuisiner une recette HelloFresh ensemble ce midi. Le problème étant qu'il est midi et que je suis absolument pas prête là à cuisiner ni quoi que ce soit. Hier soir ce que j'ai fait c'est que j'ai fait du montage client mais j'ai aussi enregistré un podcast. J'aimerais bien l'éditer aujourd'hui parce que c'est vraiment un podcast qui est censé sortir en début du mois. Je suis partie hier me faire les ongles. Très très contente. Alors je voulais faire un marron. C'est parti en cacahuète. J'ai fait une sorte de blanc nacré. Je les ai grave raccourcis et j'ai changé la forme. D'habitude je suis en coffine assez long. Et là je voulais un truc un petit peu plus court, histoire de me réhabituer à ma longueur. J'aime beaucoup, pour l'instant j'aime bien. Après la longueur sur les ongles, mamma mia, chacun son avis là dessus Je me dirige vers l'institut. Pipi, trop cool. Et après je vais enchaîner avec la salle. Je regarde mes pieds, je fais un souci. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je vois qu'en fait j'ai pas pris de basket pour la salle. J'avais préparé toutes mes affaires et trop la flemme franchement de m'entrer dans le chaussette. Ça fait des mois que je dois m'acheter une nouvelle paire de baskets parce que tout simplement j'en ai plus. Elles sont mortes et du coup je mettais mes blazers pour la salle, ce qui est pas plus mal. Ça faisait longtemps que je voulais des New Balance parce que je suis un gros mouton et que c'est grave les chaussures des gym girls en ce moment, les New Balance. Alors qu'en soi s'entraîner en New Balance c'est pas ouf. Au mieux des chaussures plates, je vous jure, que s'entraîner en blazer c'est incroyable. Bref, je suis passée à Footlocker, j'ai des nouvelles chaussures. C'est tellement rare, elles sont toutes neuve et toute propre. Incroyable. New Balance 530. Très contente. J'aime beaucoup. Noir et blanche. Basique, simple, on adore. Bah, c'est anormal parce qu'à la base, je cherchais un parapluie qui n'est pas trouvé. Du coup, j'ai repris un parfum. Je prends toujours mes parfums là-bas parce qu'en soi, ils sont pas mal du tout. Ils coûtent 3 balles. D'habitude, je prends pas celui-ci. La boîte m'a attirée. Je l'ai même pas senti. J'étais tellement en mode ok, go, faut que j'aille à la salle. J'ai pas le temps. Du coup, j'ai pris Sweet Hop. On va faire le crash test. J'ai trop peur. Ils sont incroyablement bons. Ils me rappellent une odeur que je kiffe. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et 100 fois mieux que l'autre. J'aime beaucoup. J'ai trouvé ça. En fait, ça faisait longtemps que je cherchais une brosse en poil de sanglier pour les sleek hair, pour mes cheveux plaqués. Je pense que vous avez remarqué que j'ai, genre, j'arrive pas à me plaquer les cheveux. En soit, je me les plaque, je donne tout et tout, mais j'ai pas la bonne technique et surtout, j'ai pas la bonne brosse. J'ai beaucoup de cheveux, beaucoup de bébières. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ça. Peut-être que ça va m'aider à mieux plaquer mes cheveux. Vraiment juste pour plaquer. Après, en soi, si je suis pas tirée à 4 épingles parfaitement, je vais pas perdre une jambe, je vais pas perdre ma vie, tout va bien. Mais si on peut faire évoluer un petit peu la technique, why not. Du coup, je suis allée récupérer les colis collab. Je me dépêche parce que vraiment il faut que je sois dispo pour mon copain. Ah bah grave, t'as le time, ok, nickel. Maybelline, si je ne m'abuse, ils m'ont envoyé en gifting un mascara. Ah mais non, mais c'est trop cute. Mais c'est pas du tout Maybelline, Julia, ferme ta bouche. C'est Benefit avec leur nouveau mascara. Du coup je l'ouvre pas pour pas qu'il sèche, mais écoutez, je vous ferai mon retour, je pense, sur Insta. Aujourd'hui je suis censée aller faire une séance cardio à la salle. Il est midi. Non vraiment, je pense que je vais pas avoir le temps de tout faire, c'est impossible. Hier je me suis couchée vers 2h du mat. Vu que j'ai terminé de bosser à minuit et demi, après j'ai maté un épisode de Grey's Anatomy, ce qui fait que je me suis levée à 9h30. Je suis contente, j'ai super bien dormi. Mais du coup ma journée a commencé beaucoup trop tard. C'est un colis d'une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré, que vous aviez adoré, que j'ai adoré et que ma sœur a adoré parce qu'elle a embarqué le produit au Mexique. C'est pour Instagram, c'est la marque
Osé. C'est une marque avec laquelle j'avais collaboré quand j'étais en Malaisie. Je sens que j'étais dans la salle de bain en Malaisie, il faisait une chaleur. J'avais le boucleur, le truc, j'étais au bout de ma life. Mais non, j'ai un sérum pour les cheveux aussi. Donc si vous voulez un code promo ou quelque que ce soit, ou voir le crash test, je vous invite à me suivre sur Instagram. Ça arrive vers le 24 novembre, me semble-t-il. Idée de cadeau de Noël en vrai. Vous avez trois tailles différentes de cylindres. Ça fait vraiment pistolet. Ça a l'air trop pratique d'utilisation. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mon copain n'est pas encore là. On va pouvoir commencer à cuisiner comme ça quand il arrive. Le plat est plus ou moins prêt. Je vais lui proposer soit le risotto pesto chèvre frais. J'avoue que c'est celui-ci que j'ai envie de faire. J'ai trop hâte de cuisiner pour quelqu'un. Ça m'arrive très très rarement. Autant mon mec me cuisine H36 des trucs, mais autant moi. Enfin en vrai j'ai pas d'excuses. Si j'ai plein d'excuses, mais je prends jamais le temps de cuisiner pour moi ni pour personne d'autre. Sinon risotto aux crevettes ou alors blanquette de poulet réconfortante. Ok, j'ai trois propositions de plats. Il a littéralement mis 20 minutes à me répondre pour me dire tu te fais confiance. Et bah écoutez, moi aussi je vais me faire confiance parce qu'il va quand même être 14h, que j'ai la dalle, que du coup je grignote du pain et que j'ai envie de manger un risotto. L'objectif de cet après-midi c'est d'hiberner. C'est vraiment bon. Oh. Hey, mais c'est végétarien, je suis en train de me dire. Du coup, je pourrais le faire à Zouzou. T'as vu comment il est bon, le pesto? Ouais, et le goût, il fait quoi? Mais tu prends tout seul. Arrête. Étant une flemmarde quand même. Dans l'âme, c'est bien mignon de cuisiner. Mais il serait temps que monsieur se mette à la pâte. Je vais faire ça. Blanquette de poulet réconfortante. Je pense qu'on va être réconforté. Je pense qu'on va être très réconforté. Ça me rappelle une vidéo qu'on avait tournée l'année dernière, à peu près à la même période, si vous en souvenez. Mettez un emoji pizza, parce qu'on avait fait des pizzas maison. Autre astuce également de cuisine, n'hésitez pas à cuisiner avec une personne qui met vraiment de la bonne humeur. C'est très important. Moi. Si. Non, je parlais d'Anastasia. Anastasia. Mais si elle est dans un désenvoi ? Non. Faut que tu mettes de la bonne humeur. Ça c'est une carotte. Je mange exclusivement du gras et des fast-foods. Et regardez comme je suis mince, ça me réussit. Il a rien compris. C'est beau lui expliquer. Il ne comprend pas. Alors déjà je vais prendre l'aubergine. Il y a un peu toutes les étapes de la cuisson. Je vais t'aider à couper, ça va pas aller assez vite, ça va me saouler. Ah, je trouve ça vraiment pas cher, c'est vraiment cool. Le poireau il faut le laver. En fait, on cuisine pas assez souvent, je trouve. Parce que c'est soit toi qui me fais à manger, soit c'est tout. Et là, on m'apporte des courses chez moi. Je suis en train de. Ah, t'es en train de pleurer. Allez. C'est trop dur. On ne voit pas, attends. Ils m'ont suffisamment vu dans la vidéo, je pense qu'ils peuvent plus m'encadrer là, si tu veux. En fait, moi, je préfère trop des films à Projet X, tu vois, où ils filment comme ça, genre. Ah, il se passe quelque chose de super bizarre. Elle m'aide à cuisiner. Oh non. Vous avez vu la fraîcheur des choses? Non, pas ça. Mais non, il faut le poser dessus. Non, c'est sur le côté. J'ai fait ça tout seul. Ça fait genre 2 ans que je les vois là au-dessus et que j'y touche pas. Et ben ce soir, c'est le grand soir. On se fait la saga au fur et à mesure, mais là on va regarder le 1 déjà. Je les ai tous en DVD et j'ai ressorti mon vieux lecteur DVD que j'avais acheté à Dijon dans mon premier appart. Pour les gens, c'est à quoi ça ressemble un DVD. Mais c'est vrai que c'est dingue. Let's go pour une soirée de qualité. Oui. C'est parce que c'est un des Horcruxes. Merci. Mais MDR, je vous reprends dans un accoutrement étrange, vous vous attendiez pas à ça? Moi non plus. Ce vlog, il est géchard de ouf, non? Mais je pense que vous avez passé un bon moment, même si le vlog est super long un peu. Good vibes antidéprime automnale. Je rentre de la salle, les gars, je viens de faire ma séance cardio. Je suis contente, c'est des séances que j'ai réintégrées. Alors je sais, j'avais dit que je faisais que 2 séances cette semaine. En soi, c'est ce que j'ai fait, mais du coup, j'ai rajouté une 3e séance cardio qui compte pas comme de la muscu, mais j'avais trop envie. Je suis solo chez moi, JC rentre demain, vraiment, est-ce que je suis crédible avec ses petites oreilles? Pas vraiment. Ce que je vais faire là cet après-midi, c'est que je vais commencer le montage de cette vidéo. Et puis après, en soi, la journée, elle va passer assez vite. Aujourd'hui, j'ai posté un nouveau podcast, donc je suis contente. La semaine prochaine, ça va être assez chargé aussi, mais je vous reprends.
D'habitude, le dimanche matin, je me presse avant qu'il soit 13h et tout, avant que les magasins ferment pour aller faire 2-3 courses. Et là, en fait, j'ai pas eu à me bouger parce que mon plat de ce soir est prêt. J'ai vu que j'ai un dernier plat à HelloFresh, du coup, c'est cool. Et comme j'ai deux portions, je vais en avoir aussi pour demain midi. Et ça, c'est super cool aussi. Donc, c'est le riz un peu à la chinoise et tout. En tout cas, n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour tout ce qui est repas HelloFresh. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, même un emoji, un petit mot, un petit truc, un petit cœur pour me montrer que vous avez apprécié la vidéo et que juste vous me soutenez et que moi ça me fait trop plaisir, donc n'hésitez pas, et aussi si c'était pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, jump.